Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient. Et là, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de souplesse. Plus précisément, j'aimerais expliquer pourquoi il y a des personnes qui travaillent énormément leur souplesse, genre par exemple tous les jours ou 3-4 fois par semaine, mais qui n'arrivent pas beaucoup à progresser. Ce que j'aimerais aussi expliquer, c'est comment finalement progresser de manière significative en souplesse, comment réellement voir des résultats. Alors, pour vous expliquer, ces deux points-là, faut que je vous dise quelque chose de très important. Imaginons maintenant que vous faites de la musculation. Ou imaginons même que vous souhaitez gagner en force. Vous travaillez au développé couché et votre but, c'est de soulever 120 kg au développé couché. Est-ce que si je vous donne simplement une barre de 60 kg et que vous n'avez que la possibilité de travailler cette barre, est-ce que un jour vous allez réussir à soulever ces 120 kg? Non. Pourquoi? Parce que vous travaillez simplement avec une barre de 60 kg, ça ne va pas suffire pour gagner par la suite suffisamment de force pour soulever le double. Si on veut soulever 120 kg, logiquement, ce qu'on va faire, c'est qu'au fur et à mesure, on va progresser, on va augmenter les poids. Ben, tiens, là, je soulève 60, puis 61, puis 62, puis 63, etc., jusqu'à 120. Ok? C'est-à-dire que ben, les gens qui font la muscu ou les gens qui font un travail de force, ils savent, ben, tiens, si je veux gagner en masse musculaire, faut que je travaille une certaine intensité. Et bien sûr, vu que j'ai progressé, et que l'intensité est déterminée par un poids, imaginons si je travaille à une intensité de 70%, ce qui correspond, imaginons, à 70 kg. Bien sûr, au bout d'un moment, je vais progresser. C'est-à-dire que ces 70 kg, vu que j'ai progressé, vont plus correspondre à 70% d'intensité. Sauf que il me faut 70% d'intensité pour travailler ma masse musculaire. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais tout simplement rajouter du poids pour que ce poids fasse finalement soit en accord avec ma progression et pour que ça corresponde à nouveau maintenant à ces 70% d'intensité. C'est-à-dire que pour garder une bonne intensité, ce que je vais faire, c'est que progressivement, je vais augmenter mes poids. Pareil pour le travail de force. Cependant, en souplesse, eh ben, 99% des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font le même étirement encore et encore et encore avec la même intensité. C'est-à-dire que pour la plupart des gens, en fait, travailler leur souplesse, c'est-à-dire, c'est se mettre dans une position d'étirement. Ah tiens, je sens l'étirement. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais rester un certain nombre de temps dans cette position où je sens un étirement et je vais gagner en souplesse. Sauf que, oui, vous allez un peu gagner en souplesse, mais juste un peu. Vous n'allez jamais avoir une grande souplesse comme ça. Pourquoi? Parce que c'est comme si maintenant je vous dis, ben, tiens, je vais aller à la salle de muscu. Ou tiens, je veux travailler en force. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement soulever une barre. Allez, je sens que mes muscles travaillent. Du coup, je vais simplement faire pas mal de répétitions comme ça et je vais gagner énormément en force. Non, il faudrait gagner une certaine intensité. Si je soulève 20 kg, et ben, je ne soulèverai jamais 120 kg. Et vous, c'est exactement la même chose que vous faites en fait lorsque vous étirez. C'est-à-dire que vous êtes en position d'étirement, vous sentez un étirement. Du coup, vous pensez que vous êtes en train de travailler. Sauf que vous ne l'êtes pas. En vérité, vous êtes simplement en train de travailler avec 20 kg. Et du coup, ben, si vous travaillez avec 20 kg, ben, vous n'avez pas l'intensité suffisante pour créer des résultats qui sont intéressants. C'est-à-dire, bon, il y a différentes manières de réellement travailler sa souplesse. Il y en a deux principales, deux qui sont vraiment puissantes. Là, je vais juste vous en parler d'une de ces deux pratiques. Et parce que du coup, là, j'ai fait tout le build-up finalement en vous parlant de l'intensité. Et donc, c'est quelque chose qu'il faudra avoir dans ces étirements. Mais finalement, comment on va gérer cette histoire d'intensité? Alors, une des meilleures manières de travailler sa souplesse s'appelle Loaded Progressive Stretching. Alors, loaded. Loaded, ça veut dire quoi? Ça veut dire chargé. Progressive, ça veut dire quoi? Progressif. Et stretching, bon, étirement. Ça veut dire que si vous voulez gagner en souplesse, il vous faut un étirement qui soit donc chargé et progressif. Et qu'est-ce qui se passe quand on travaille une autre qualité physique, par exemple la masse musculaire ou la force ou l'explosivité? Eh ben, on a un mouvement qui est chargé et qui est progressif. C'est-à-dire que progressivement, on va rajouter de la charge. Déjà, il est déjà chargé de base, il y a déjà une intensité de base, mais en plus de cela, elle va augmenter au fur et à mesure. Et c'est exactement le même schéma qu'il faut incorporer lors de ces étirements. C'est-à-dire que si vous voulez réellement progresser en souplesse, il faut que votre étirement soit chargé. C'est pour ça que je vous avais fait une vidéo, soit celle où je vous avais dit que souvent, bah, pour la souplesse, je vais travailler avec des poids, où je vais mettre beaucoup de tension, pour justement avoir assez d'intensité. Et il faut que ce soit progressif.
C'est-à-dire que l'intensité doit jamais être la même. Progressivement, la charge doit augmenter. Progressivement, l'intensité doit augmenter. Et du coup, comment on va faire ça? Ce que je vous dis toujours dans ma chaîne, c'est qu'il faut être complet. Et donc, pour ajouter cette intensité, ce qu'on va faire, c'est que là où il y a de la souplesse, on va rajouter de la force. Là où il y a de la force, on va rajouter de la souplesse. Ça n'a rien d'être souple sans être fort, ça n'a rien d'être fort sans être souple. Donc, ce qu'on va faire, c'est par exemple, si vous souhaitez travailler votre grand écart latéral, ce que vous allez faire, c'est que petit à petit, vous allez aller dans cette position de grand écart. Vraiment, un maximum entre guillemets. Une fois que vous êtes à cette position, du coup vous êtes dans une position de souplesse, ce que vous allez faire, c'est que vous allez par exemple remonter vos jambes et vous remettre dans une position debout. Et du coup là aussi ça va travailler votre force. Ok ? Mais surtout en fait lorsque vous allez descendre par exemple dans cette position, et ben pour garder cette position, et ben il faut un certain niveau de force. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Et ben si vous ne gardez pas une tension suffisante en étant dans cette position de grand écart, vu que logiquement si vous regardez cette vidéo probablement vous ne savez pas faire un grand écart latéral, et ben ce qui se passe c'est que si vous ne mettez pas de tension suffisante, et ben qu'est-ce qui va se passer ? Et ben vous allez vous déchirer quelque chose par exemple. Parce que bien sûr votre corps vous le laissez faire. Et ben, il y a des tensions qu'il ne peut pas encore subir, il y a des étirements qu'il ne peut pas encore subir. Si l'intensité est trop grande, ben bien sûr, votre muscle, vos tendons, ce genre de choses, ben, ils vont se déchirer. Hein. Mais du coup, vous allez avoir de la tension, ok ? Ça qui va être intéressant. Et en plus, vous allez rajouter de la force, vu que vous allez remonter après dans une position normale, puis redescendre, puis remonter. Du coup, là où il y a de la souplesse, on va travailler la force. Là où il y a la force, on va travailler à la souplesse. Et lorsqu'il y aura justement ce travail de souplesse, il y aura une intensité qui sera suffisante. Et que vous allez pouvoir augmenter par la suite. Prenez des packs de bouteilles par exemple. Prenez juste une bouteille. Après, prenez deux bouteilles que vous mettez dans un sac. Trois bouteilles que vous mettez dans un sac. Quatre bouteilles, etc. Ou des poids si vous avez accès à une salle de musculation. Mais comme ça, petit à petit, eh ben, vous allez avoir l'intensité nécessaire et surtout la progression nécessaire pour avoir des gains de souplesse qui sont significatifs. Donc voilà, tout simplement. Donc si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, posez-moi tout dans les commentaires, hein, je réponds à tout. Si vous voulez travailler davantage sur votre souplesse, avoir plus d'infos, savoir comment programmer un travail de souplesse et aussi comment par exemple travailler toutes vos autres qualités physiques, j'en parle dans mon programme qui du coup sort le 2 septembre. Dimanche 2 septembre à 15h 2018, si jamais en fonction du jour où vous regardez cette vidéo. Et donc voilà, simplement. Et en attendant, bah, c'est bonne journée. Bye.